Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente le quartier de Nakano. C'est un quartier, on va dire, assez traditionnel hein, en Japon, assez animé. Comme vous voyez, il y a du monde, c'est vraiment pas mal. Moi je visite, c'est pas très loin de mon quartier. Je voulais voir un peu ce qui se passe dehors le soir. Là il est 7h, 19h. Donc je vous montre, je prends des chaussures, je prends plein de choses. Et c'est un long tunnel, très sympa à voir. Regardez. Là, si vous voyez, c'est des gens en costard. Ils sortent du travail. C'est où ils vont manger quelque part, ou ils rentrent chez eux. Donc, tout simplement, ça là c'est un opérateur mobile. Là c'est des beaux gâteaux, vous voyez. Ça c'est un McDo ouvert 24h/24. C'est-à-dire tu vas même manger un McDo à 4h du matin. Truc impensable à Paris. Voilà. Là c'est des trucs. Loteria, on va dire c'est un peu comme un McDo aussi, mais à la japonaise. Alors à leur sauce, ça va perdre, peu de gens le connaissent. Hein. Et des gens qui sont installés au Japon le connaissent bien sûr. Moi je le connais vite fait parce que j'ai déjà mangé là-dedans. Personnellement, si vous voulez un bilan, franchement, c'est de la merde. Je préfère mieux manger un McDo ou un Burger King. Hein. Voilà. Là ici, c'est des bijoux. Opérateur mobile. Là-dedans, je vous conseille cette enseigne. Si vous venez au Japon, un exemple, ils vendent des chaussures de taille, on va dire grande taille. Genre une personne qui fait du 43-44, il y en a, parce que les Japonais, ils chaussent des petits pieds à la base, comparé de nous. Donc très 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 intéressant à voir. Donc voilà, là j'avance. Nakano Broadway. Oui, là-bas, là. Ça a l'air sympa. Exterior café. Là-dedans, c'est un peu comme une pharmacie où ils vendent des choses, de la lessive, de la teinture, tout ça. Et aussi, là, ici, c'est un petit restaurant où les gens de bureau ils vont manger. Même là aussi, un petit truc rapide. Il y a plein de choses. Voilà. Bon, continuons notre visite. Là, on rentre dans le quartier Otaku de Nakano Broadway. Dans des jeux. Regardez plein de choses, des jeux, des hentai, tout ce que vous voulez. Même du yaoi pour vous les filles. Hein. Voilà, des choses intéressantes. Est vraiment pas mal. Des super gâteaux aussi. Oh là là, leur gâteau. Alors, si vous allez au Japon, buvez cette boisson là. Elle est délicieuse. Vous trouverez dans les distributeurs. Nectar pêche. Screenez avec votre portable. Il est délicieux et très bon. Voilà. Alors c'est tout cela, c'est un truc pour les... voilà quoi. Bon, on dirait que ça s'en finit pas. Il y a des jeux aussi qui arrivent. Hein. Voilà. Des produits hippies, ça on en trouve aussi en France. Hein. Voilà, là je vous visite parce que je suis presque à la fin. Allons par là. Dans les petits coins qu'on trouve des bonnes choses, hein, comme on dit.
Là, c'est des chaussures. Ça, je vous dis tout de suite, il n'y aura pas votre taille si vous faites pas, si vous faites plus de 42. Là, vous voyez, là, c'est le quartier Otaku. Death Note. Enfin, les connaisseurs, quoi. Une super chose. Voilà. Donc, plein de choses intéressantes. Énormément. Voilà. Voilà, là, je vous montre un petit quartier. On va retourner sur l'allée principale. Parce qu'il n'y a pas grand chose. Vêtements pour bébé. Des sacs assez mignons. Voilà. C'est en direct sur Facebook. Et sur YouTube aussi. Ah, les distributeurs, j'adore ça. Voilà. Bon, je crois qu'on va en arrêter là. Je vous ai fait visiter Nakano Broadway. Un truc assez sympa. Prendre des iPhones et tout. Tout ce que vous voulez. Tout ce que tu veux. Vous courez à Nakano Broadway. C'est sympa. Bon, voilà. La visite s'arrête là. On arrête là, les amis. Allez, à plus tout le monde.